Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Fifi, comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu différente que je vais vous faire. J'en ai pas encore fait. On appelle ça un 8 parades. Voilà, j'espère que je prononce bien. donc, en français, c'est le bilan de tous nos encours. Voilà, c'est le bilan de tous nos encours qu'on a en ce moment. Et Fifi, non, on montre pas ses fesses à la caméra. Oh, c'est quoi ça? Et maman, elle fait pas un film X, hein? Non. Allez, mets-toi bien. Mais oui, va manger. Non, elle va pas manger. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Ouais, va regarder là-bas ce qu'il y a. Cache ton popotin. Bon, allez, soyons sérieux. Oui, le Whip Parade, donc c'est le bilan donc, de tous nos encours. On montre toutes nos broderies du moment. Et pas du moment aussi. Je vous montrerai, vous comprendrez. Donc, moi, il y aura du point compté, il y a un peu d'estampé, il y a du HAED, il y a plein de choses, mais bon, vous le savez déjà. Elle a décidé. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis une vidéo short. Je vous montre comment je tricote avec Fifi. Oui, c'est bien. Oh, tu fais des bisous. Oh, le fait des bisous. Oui, donc je vous montre dans cette vidéo short comment c'est pratique de tricoter avec Fifi. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Bon, Fifi, maintenant, maman elle a besoin de la place. Parce que j'ai plein chose à montrer. D'accord? Allez, mon bébé. Hop. Ah non, t'accroches pas. Oh, allez, descends. Allez. Fifi. Fifi, descends. Ça, contre-fiche. Allez, hop. Voilà. Ah! Il y a des poils qui volent. La plaquette remonte. Bon, allez, on attaque parce que sinon, on va jamais y arriver. Alors, elles ne seront pas dans l'ordre de... Parce que, bon, dans ma malle, c'est vrai que tout est mélangé. Et mon cahier de broderie n'est pas encore assez à jour pour que j'ai remis toutes les dates, tout ça. Donc, je vais vous montrer au fur et à mesure que je sors de ma malle. Ça, c'est pour vous montrer après. Hop, donc on va le mettre là. T'as décidé. Alors, bon, il y en a beaucoup que vous connaissez, hein, bien sûr. Peut-être qu'il y en a que vous vous rappelez plus. Alors, je vais quand même essayer de ne pas oublier de vous mettre les photos de l'ouvrage entier. Première que je vous montre, donc c'est un Lanart que j'ai commencé il n'y a pas longtemps, si vous vous rappelez. Donc c'est la branche d'orchidée de chez Lanart, voilà. Donc celui-là, c'est un qui ne devrait pas durer longtemps, mais on verra. Donc voilà. Alors là, je ne vous parle pas des avancées, rien du tout. Hein. Je montre juste... les encours que j'ai. Oh, j'en ai quelques-uns. Ça y est, ma copine la mouche, elle est là. Allez, je tire au hasard. Ah, oui. Ici. Alors, lui, ça fait un petit moment que je l'ai commencé.
C'est le Bouddha. Oups là. Oups. Voilà, le Bouddha de poussière d'étoile. Donc, sur une étamine 12.6 fils. Bon, de toute façon, si je vous dis rien, c'est que c'est de l'étamine 12.6 fils. Ça ira plus vite. Quand ça n'en est pas, je vous le dirai. voilà. Donc, bon, il y a encore du boulot dessus. Mais il faudrait quand même que je m'y remette un peu dessus. Voilà. Ensuite, ah bah oui, restons chez Poussière d'étoile. Ma grenouille. Voilà. Alors ceux-là, vous voyez, ils sont quand même déjà bien avancés, hein. Bon, j'ai encore quelques heures à passer dessus pour le terminer, mais il est plus près de la fin quand même que du début. Donc voilà, ma grenouille de poussière d'étoile. Donc ça, les gris que, enfin les produits que je vous montre de poussière d'étoile, vous les retrouvez dans la boutique, hein. Le Bouddha, c'est un modèle gratuit, oui, que vous pouvez retrouver dans la boutique. On mettrait tout dans la malle après. C'est plus simple. Ici, ça c'est un des derniers que j'ai commencé. Le Autumn Quaker. Voilà. Fait ce. Alors celui-là, il est fait sur quoi? Étamine, oui. Donc je dis rien. Voilà. Mais c'est une vintage mocha, je crois. Ouais, je crois que c'est une vintage mocha. Celui-là, il est fait avec des fils Valdani. Ensuite. Alors celui-là c'est quoi? Ah oui, mais il est tout petit. Il n'y a pas grand-chose de fait dessus du tout. Là c'est sur une toile de lin. Lin blanche pailletée. Mais bon, vous voyez, il n'a pas encore vraiment avancé. C'est le tigre. De toute façon, je vous ai remis les photos à chaque fois. Voilà, ça c'est le tigre. Donc, il y avait 100, 200, 300, 400, 500. Il y a à peu près 500 croix de faites dessus seulement. Voilà. Ensuite, ça c'est quoi? Ah non, ça c'est mes fils. Donc, je vais les mettre là sur le côté. Ici. Alors celle-ci, c'est une broderie que l'on m'a offerte. Voilà. Donc voilà où j'en suis. C'est un hibou. Ouais, c'est un hibou qu'une abonnée m'a offerte. Lui, sur une toile Aïda imprimée. Et elle est très 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 belle. Voilà, c'est un modèle. Alors, comme je vous aurais mis la photo, je ne l'aurais pas vu. C'est un modèle de Nova Sloboda. Donc ça, on le trouve sur la maison du canevas. Ici. Alors celle-là, je sais quand je l'ai commencée, puisqu'elle fait partie du sale du Nouvel An. Voilà. Alors par contre, vous ne verrez pas, ouais, vous verrez pas là, là, c'est imprimé. J'essaierai de vous remettre une photo si je l'oublie pas. C'est le sale du Nouvel An, donc que je fais avec un modèle de Chiri Hollis.
Voilà. Alors, à la base, c'est une broderie qui se termine le 31 décembre, mais moi, j'en suis très, très loin. Il me reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mois à faire. Donc, il reste octobre, novembre, décembre. J'ai 5 mois de retard dessus. Alors ça, c'est sur une Aïda 5-5. Elle était fournie avec. Et elle est faite avec des fils acrylique Hélène. Donc c'est les fils de chez Riolis. Je sais que tout le monde n'aime pas. Mais bon, moi ça va, ça ne me gêne pas. Ensuite, ici, il y a la toile. C'est quoi? Ah non, oui, celui-là ne fait plus partie. Il faut que je le démonte. Enfin, je démonte, j'enlève de son tambour. C'est l'Halloween Quaker. C'est celui que je vous disais que celui-là, moi, j'arrête de le faire. Voilà, pour. Alors, il était sur une toile de lin. C'est du 16 fils. Voilà. Moi, j'accroche pas dessus. Donc, du coup, j'insiste pas. Alors, la vidéo ne sera pas aussi longue que mes journaux créatifs. Alors, ici, c'est les floralies de jardin privé. Voilà, donc c'était un sale à la base. Bon, moi, je l'ai commencé en retard hein, déjà. Mais là, il est déjà fini depuis plus d'un mois, je crois. Peut-être un peu plus. Voilà, j'aime bien ces petites fleurs là. Bon, comme je vous avais expliqué la dernière fois, la petite barrière blanche là, elle m'embête un peu, mais bon, on verra. On verra ce que ça donne. Voilà. Ici. Ah, mon fox, mon petit fox. Oula, il y a encore des fils dans la fermeture éclair. Alors attendez. Voilà. Ça, c'est une manie que. Enfin, c'est pas une manie que j'ai, c'est que je devrais mieux ranger les fils qui dépassent de ma broderie. J'ai déjà eu le tour la dernière fois et j'arrive pas, ça veut pas. Bon, on coupe hein, quand ça veut pas, c'est pas grave. Voilà, hop, un petit bout de fil, on va le récupérer. J'arrive, hein, vous inquiétez pas, je suis pas loin. Voilà. Donc mon petit fox. Voilà. De Cottage Garden. Voilà où il en est. J'ai pas compté, hein. Vous avez qu'à compter, on en. Donc ça, c'est mon petit fox. Alors, attendez, je remets bien les fils. Celui que j'ai coupé, je vais le mettre dedans. Parce que je ne vais pas coincer encore une fois. Hein. Voilà. Celui-ci.
que vous connaissez bien aussi, c'est mon Lily Point. Voilà, mon Lily Point, la ronron thérapie. Alors, il est sur une toile étamine Vichy grise. L'autre jour, je regardais parce qu'on me demandait le lien pour trouver cette toile. Et donc, c'est une étamine, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est marqué que c'est de la toile pour faire de la broderie suisse. Voilà. Je n'avais pas fait attention au début, mais c'est pas grave. Voilà. J'ai déjà vu ça, la broderie suisse, mais bon, je ne vais pas vous l'expliquer là comme ça. Donc, voilà. Celle-ci, oui, alors là c'est un Lucas S, c'est l'aquarium de chez Lucas S. Donc voilà, alors lui il est sur une toile Aïda 6-3 qui est légèrement quadrillée, voyez. Donc, j'aime bien. Donc, ça, c'est de Lucas S. Celle-ci. Ah oui, c'est ma préférée. C'est vraiment ma préférée. Je sais que vous l'aimez beaucoup aussi. C'est mes hérons bleus de chez Lanart. Voilà. Bon, elle est commencée depuis un petit moment, hein, celle-là. Mais bon, c'est vrai qu'il y a du taf, hein, dessus. Mais celle-là, c'est vraiment ma préférée. Je crois qu'elle va être vraiment superbe quand elle sera terminée. J'ai hâte qu'elle soit finie. Bon, il y a encore du monde, encore quelques heures de boulot, hein, parce qu'il y a deux hérons. Hein. Là, son corps, lui, il n'est pas fini. Voilà. Mais il y a quand même encore quelques heures de travail dessus. Donc, elle est faite sur une toile Aïda 5-5, 14 CT. Voilà, grise. C'est la toile qui était fournie dans le kit. Là, la montagne monte. Ensuite. Celle-ci, ah oui, celle-ci, il n'y a pas longtemps que je l'ai commencée. C'est ma Long Dog Sampler. Donc ça, c'est une que je fais avec Sonia, hein, de la boutique. Oh, j'y tiens à chaque fois, la boutique. La chaîne Diamant Rose. Et puis Geneviève de la chaîne. Geneviève, j'ai pas mon pense-bête devant moi. Du coup, je sais plus le nom de ta chaîne. Handsport. Non, bon, je vais pas le dire parce que je vais dire des bêtises, mais je vous mettrai en barre d'infos de toute façon. Voilà. Donc, celle-là, je l'aime beaucoup aussi, mais pareil, hein, il va y avoir, comme vous avez pu voir sur la photo, il va y avoir du boulot encore. Il y a encore beaucoup de boulot. Alors, ça, non. Ça, je vais mettre de côté parce que je vois que ça va s'abîmer. Voilà. Ici, oh, la terre est basse. mon colibri de poussière d'étoiles. Ça, c'est un sale que j'avais organisé. Alors que je dis
que j'avais organisé, parce que le sale est fini depuis un petit moment, mais comme je vous dis souvent, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Moi, je suis encore très en retard dessus. Voilà. mais très agréable à faire, comme toutes les broderies de Sabine. Hein, voilà. Et on a même ce petit aimant. Voilà. Hop. Là, pour la malle, c'est tout. C'est déjà pas mal, c'est qu'à le dire. Je vais juste faire une pause de 2 secondes, enfin 2 secondes, 2 dixièmes de seconde pour vous. Moi, on va dire 5 minutes. Je vais remettre tout ça dans la malle et je continue à vous montrer mes encours. Voilà, c'est rangé. Alors maintenant, je vais vous montrer donc les grandes broderies. Enfin, quand je dis les grandes, c'est celles qui sont sur les grands cuisnaps ou les grands métiers à broder. Mais ce sont aussi des grandes broderies quand même. Ici, HAED. Donc, c'est ma japonaise. Voilà. Donc, c'est une étamine, hein, mais elle est quadrillée. Donc, ça s'efface à l'eau. Voilà. Voilà où j'en suis. Je pense que je vais travailler un peu dessus cette semaine, mais j'en ai une autre aussi à travailler. Je verrai comment. Voilà. Donc elle commençait depuis quelques mois quand même. Mais bon, les HAED, il y a du taf. Hein. Ça m'énerve, j'ai toujours mes lunettes qui tombent, je les ai au milieu des yeux. Ensuite, hop là. Bon, celle-ci, vous la connaissez. De toute façon, normalement, vous connaissez toutes mes broderies. Mais celle-ci, vous la connaissez aussi. C'est le duo que je fais avec Sonia. Voilà, c'est le sampler 124. Donc pareil, hein, il y a encore beaucoup de boulot dessus. Mais on avance un petit peu toutes les semaines, donc ça, c'est très bien. Donc ça, c'est une étamine bleu canard. Attendez, je vais la poser là, 2 minutes. Ici, mon drap de lit. Mon drap de lit. Je vous dis ça parce que là... Ah, ouais, c'est la grandeur, hein, de la broderie. Je ne sais plus la taille, mais voilà. Voyez-tu ? Et il y en a encore autant en bas. Enfin, non, en bas, il y en a moins. Mais voilà. Alors, celle-là, si elle est finie un jour, je ne sais pas ce que j'en ferai. Parce que niveau encadrement, ça va être chaud. Donc, voilà. Celle-là, c'est le paysage. C'est un HAED également. Celle-là, je commence à l'aimer de plus en plus. Au début, je ne l'aimais pas. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais là. Hein, c'était un peu tristouné. Donc maintenant, j'aime bien. Donc, c'est mon deuxième HAED. C'est quoi ça? Oh. Ça va, il y a une tache, mais elle est... Il y a une tache sur la toile, mais elle est à l'extérieur, sur l'envers. Donc, c'est pas très grave. Alors, attendez, je replie mon drap. Hein. Bon, les HAED, j'en ai un qui va commencer bientôt. Mais après, c'est fini. Je n'en commence plus. Hein. C'est terminé. On va pas exagérer quand même. Ici,
Ah, tiens, venez là. Celle-ci, c'est, on l'a fait en groupe avec le gang des Québécoises. Donc, c'est un patchwork Quaker. Voilà, bon, là, il n'y a pas grand-chose. Normalement, il aurait fallu que j'arrive à mes 10 cases ici à la fin du mois, je crois. Je ne sais même plus. Mais j'en suis très loin. J'en suis qu'à la quatrième. Mais bon, voilà. Je crois que je vais finir par l'avancer à mon rythme. Voilà, donc ces trois-là, je les remets dans leur petit sac. Enfin, petit. Voilà. Le deuxième sac. Oh. Faut faire des muscles aussi, hein. Mes pans royaux. Voilà, mes pans royaux. Donc, c'est un modèle de chez All Forest. C'est un modèle payant. Que je fais en couleur 550, en coton mouliné et en fil étoile. Voilà. Toujours sur de l'étamine, hein, bien sûr. Bon, je suis désolée, hein, la vidéo va peut-être un peu vite là cette fois-ci, mais bon, c'est vrai que c'est juste pour vous montrer ce qui est en les encours, en cours. C'est comme ça. Là, je ne donne pas vraiment de détails comme je fais dans mon journal créatif. Ma maison météo, alors elle est, je vous avais dit, elle est en retard d'un bon mois. Donc ça, c'est un modèle que j'ai dessiné moi-même, hein, vous le savez, et que l'on fait en salle sur mon groupe. Et donc, une fenêtre, c'est une semaine. Et une vitre, c'est une journée. Et on brode la température de la journée. Voilà. Bon, il faut que je me remette un peu dessus, hein, ma petite maison. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Et voilà. Et... ici, alors c'est pas un achat ED, c'est tout comme, mais c'est une. Oh là là, quand je regarde l'arrière, ouh, ça fait peur. c'est une image que j'ai, une image gratuite que j'ai transformée en grille de broderie, et donc elle est quand même assez grande. Si j'y pense, je vous remarquerai la taille. Mais je crois que ça doit être dans les 50 sur 70, je crois. Voilà. Donc ça, c'est ma steampunk bleue. Voilà. Celle-là, là, par contre, je vais travailler dessus cette semaine, justement. Donc, on va essayer de boucher ce trou-là, déjà. Et puis d'avancer un petit peu sur le reste. Donc voilà, voilà, voilà. Donc ça, ce sont mes grandes broderies. Alors vous voyez, les grandes, il n'y en a pas tellement. Hein. Mais j'avance un petit peu dessus. De temps en temps, chaque semaine, il y en a toujours une ou deux qui sort. Sur le tirage au sort. Il y en a que je fais toutes les semaines,
comme le sampler là, que je fais avec Sonia, celui-là je le fais toutes les semaines. Les HAED, là ça doit faire un bon 15 jours que j'ai pas travaillé dessus. C'est pour ça il va falloir que je remédie. Bon, il faudra que je m'y remette. Voilà, alors niveau points comptés, c'est tout. C'est déjà pas mal. Hein. Maintenant, les estampés. Alors, les estampés, c'est pas mes préférés. Hein, mais alors, attendez, parce que il faut que je range ce sac. Il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être là-dedans. Bon, ici, la première. Madame Celtic de Noël, voilà. Vous allez me dire, j'exagère, il n'y a plus grand-chose à faire. Enfin, si, il y a encore du taf, hein, parce que tout le jaune, là, c'est du doré, il n'est pas fait. Bon, il y a les deux frises de chaque côté, les frises d'en haut, et puis finir le haut du personnage. Donc, si, il y a quand même encore du taf. Mais voilà. Bon, dans mes estampées, je l'aime bien celle-là. Celle-là, c'est vrai, il faut que je fais aussi. Je l'aime bien. Elle est commencée depuis un moment également. Mais ça, c'est parce que je sors rarement mes estampées. De plus en plus rarement. Et du coup, ça n'avance pas beaucoup. Mais voilà, hop, je remets mes petites bobines. Voilà. Mais bon, les estampées, je ne suis pas pressée. Hein. Elles se finiront bien un jour. Ah oui, il faut que je fasse du rangement là-dedans. Il y a un boxon. Ça, non. Celui-là, vous l'avez dit, pareil. Mais bon, c'est un en cours. Hein. C'est ma confiture. Ma confiture. Bon, elle avance. Dimanche, j'ai travaillé dessus, donc elle avance. Voilà, donc en estampé, j'ai celui-là. Donc ça va être toute une série. Hein, on va pas faire toute la série, sauf si les filles, elles, veulent faire toute la série, elles le feront, mais moi, je ne ferai pas toute la série. On fait en trio avec Isa et Armel. Mais c'est vrai que moi je crois qu'il y a 10 ou 12 broderies, je ne ferai pas les 10 ou 12. Bon. Ça c'est quoi? Oui, alors lui il faudrait que je le termine. Hein. C'est bon, ça fait longtemps qu'il est commencé. Tiens, il y a un fil qui se balade. Ça fait trop longtemps qu'il est commencé. Voilà. Mon cheval, en plus il est magnifique. Pour un estampé, je le trouve vraiment magnifique. Donc, il faudrait que je mette un coup de collier pour un cheval, pour le terminer. Mais voilà. J'ai beaucoup. Alors, je vais dire que c'est des confettis, mais c'est des confettis des points que je n'ai pas fait. Donc, il y en a à droite, à gauche. Il y en a un petit peu partout. Et ça, c'est un tort que j'ai eu. J'aurais pas dû laisser des trous, des points tout seul, comme ça, à droite, à gauche. Parce que maintenant, c'est un peu compliqué pour reprendre. Voilà. Prends dans ta maison. Hop.
et mon cerf. Alors, hop, j'ai un bout de fil. Voilà, alors attendez, je vais enlever les petits bouts. Voilà, 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 voilà. Mon cerf. Donc, il y a ce qui est orange là qui a été fait. Voilà. Un peu de gris ici, là aussi. Et si vous regardez derrière, on voit bien ce que j'ai fait. Celui-là, je l'aime bien. Celui-là, j'aime bien. Celui-là, il est cool à faire. Mais alors, super cool. Parce que c'est du gros bloc. Et vraiment, il est tip-top à faire. Alors, on est estampé, c'est tout. Enfin, non, j'en ai encore une. Mais attendez. Ah, c'est pas comme ça, je devais remettre. Bon, c'est pas grave. Est-ce que je l'ai là? Je suis pas sûre de l'avoir là. Je ne suis pas sûre. Ah bah alors. Non, je ne l'ai pas ici. Ah si, là. C'est là. Ouais. C'est un long cours aussi, mais que j'avais abandonné. Je vous avais expliqué. Voilà, c'est une orchidée. Voilà, donc là, bah, là je vais vous montrer l'image parce que je n'ai pas la photo dans mon ordi. Voilà, c'est celle-là. C'est la dernière d'une série que j'ai faite avec des fleurs. Pas les fleurs du mois. Les fleurs du mois, vous voyez, les étagères, là, elles sont toutes là. Les 12 sont là. Ça, c'était une autre série de 8. Mais la dernière, donc celle-ci, elle est imprimée complètement décalée. Complètement décalée. Donc, j'avais dit que j'allais la laver. Mais j'ai pas encore. C'est vrai que, bon, comme elle est dans le sac, j'y pense pas. D'ailleurs, tiens, je vais peut-être la laisser dehors. Comme ça, demain, je la mettrai à tremper. Et je vais la faire, mais en point compté, du coup. Parce que là, l'impression est complètement décalée. Mais alors... Donc voilà, du coup, ouais, je vais la laver et puis et ça ira mieux après. Celle-là, je vais la laisser dehors comme ça. Hop, comme ça, ben, au moins toute la série sera finie. Ce sera bien. Par contre, c'est pareil, et comme ça, j'en prends plus. Hein, des longues séries comme ça, même si c'est des petites broderies, après ça devient barbant, je trouve. Voilà. Bah, écoutez, pour les estampés, on a fini. Alors, attendez, je vous demande juste de pareil, un dixième de seconde, je range ça et je reviens vers vous tout de suite. Me revoilà. Et en même temps, j'étais chercher un sac. Je m'étais trompée de sac. Ici, je vais vous montrer. Alors, c'est des encours, mais qui sont de côté pour l'instant. Donc, il faudrait que je termine aussi. Ludovic, si tu passes par là. Ludovic qui doit être bon, c'est un petit truc contre nous. C'est-à-dire j'exagère. Alors celui-là, c'est le sale de Noël, si je me trompe pas, de l'année dernière, de Duran Jones. Là, voilà où j'en suis. Il faudrait que je le termine, hein, mais j'étais un petit peu, j'ai un peu bloqué au niveau du, ben là c'est le sapin
J'avais bloqué là et voilà. Bon. Par contre, il faut que je regarde si j'ai pas perdu les grilles. Parce que si j'ai perdu les grilles, je suis pas dans le... C'est une toute petite en plus, hein. Donc, il faudrait que je la termine quand même. Voilà. Donc, pour l'instant, les mises de côté. On s'en occupera. Il faut que je me fais des petits challenges. Pardon. prendre une broderie oubliée, là, une broderie mise de côté. Et puis la sortir jusqu'à ce que j'ai terminé. Ça, par contre, c'est le sale de Noël aussi, mais que moi, j'avais organisé, ne rigolez pas, c'était le calendrier de l'Avent, donc de l'année dernière, c'était un modèle de là, je vais vous le montrer parce que je crois que je vais avoir du mal à retrouver les photos, voilà, c'était celui-là. Donc, c'est de qui? Je sais même pas. Je sais même pas de qui c'est. Non, c'est All Stitching House. Mais j'ai pas de nom de créateur. Christmas Advent Calendar. Voilà, calendrier de l'Avent de Noël. Donc voilà où j'en étais. Les fils qui tombent. Donc j'avais fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et celle-là, elle était commencée. Donc bon, j'étais à la moitié hein, des cases. Voilà. Ce qui serait bien sur celle-là, je pense que je vais la ressortir. Et que je me fais une case par mois. Voilà. C'est petit. C'est pas... Et au moins, j'aurai le plaisir de la finir. Même si elle n'est pas finie pour ce Noël ici, c'est pas grave. De toute façon, là, il reste... Ouais, si je fais une case par mois, il reste... ça fait que 6 mois. Mais après, il y a encore tous les encadrements et puis le truc là, l'eau ici à faire. Oh, je vais changer mon sac de place. J'ai l'impression qu'il y a que ça, comme si c'était humide. Oh, je vais mettre ça ailleurs parce que sinon mes toiles vont être abîmées. Donc voilà, un mis de côté. Allez, je me fais le challenge de celui-là. Je le ressors. Et je me fais une case par mois. Check, ça marche. Check, check, check. Allez. Bon, je le passe cette semaine. bon, enfin, on verra. On verra. Par contre, il faut que je retrouve mes fils. Je les ai mis où? Ah si, c'est bon. Je sais où sont mes fils. Ben oui. Bon, de toute façon, les fils dans mon stock, je peux toujours les retrouver. Hein, mais ça, non, c'est pas un encours. Celui-ci. Ça fait longtemps que je l'ai commencé. J'ai honte de l'avoir mis de côté. Honte. Parce que c'est un poussière d'étoile. Donc voilà, il y a la tête alouette, il y a la tête de la coccinelle, voilà. Ouais, je vais changer mon sac. J'ai l'impression que c'est humide. Je sais pas, c'est froid. Ouais.
Bon, celui-là, je le reprendrai, il n'y a pas de problème. Mais je vais finir d'abord ma grenouille, finir mon colibri et finir mon Bouddha. Quand ces trois-là seront finis, je ressortirai ma coccinelle. Voilà. Je vais enlever l'aimant en attendant. Je vais le remettre sur le tableau. L'aiguille, pareil, je vais la mettre en place. Et dès que les autres sont terminés, ben je ressortirai celle-ci. Voilà. Hop, je vais la mettre avec ça. Pas la peine d'avoir 50 poches. Voilà. Ça me fait une poche de vide. Ensuite, oui, ensuite. Alors, lui, je l'ai commencé il y a 3 ans, ça fera 3 ans dans février qui arrive. Ah ouais, au moins. Et il n'y a pas grand-chose de fait dessus, hein. Le pire, c'est que c'est ça. Il n'y a pas grand-chose de fait. Alors, il est sur un tout petit quick snap. Et c'est celui-là. Voilà. Les petits pingouins Love. De Svetlana Sichkar, donc c'est Penguin White Love. Ouais, c'est tout petit, hein, ça fait 14,33 sur 14,15. Donc voilà. Et je crois que c'est le fait d'avoir mis sur un tout petit quick snap, ça m'a embêté. Donc je pense que je remettrai sur un tambour plus rond, ce sera moins épais. Pour la petite taille que c'est, ou alors je vais le refaire complètement parce que je sais pas, je suis pas contente de ce que j'avais fait. Je le referai peut-être complètement le moment venu hein, quand j'aurai décidé. voilà, attendez, je vais enlever l'aiguille parce que je sens que je vais la perdre. Ah bah non, elle est hop, je vais la piquer. Voilà, donc voilà. Le début de la tête de mon pingouin depuis 3 ans, bientôt, enfin 2 ans et demi. Fin de compte, j'ai pas, je sais pas, il y a un truc qui a pas accroché ou alors j'ai fait une erreur, je sais plus. Mais je pense que je vais le refaire sur autre chose. Je vais le refaire sur une autre toile. Parce que là, bon, c'est pas top. Alors, ça ici. Ah, ben ça, c'est un estampé, tiens. Je n'avais même plus que j'avais un estampé de commencer par ici. Oui, mais vraiment commencer, mais alors tout au début. Hein. Où est-ce que j'ai brodé? Ah, ouais, oh Dieu! Oh! Alors, je vous montre le modèle. C'est celui-là. Il est joli, hein, pourtant. Et alors, il y a un petit fil qui se balade, c'est pas grave. Voilà ce que j'ai fait. Alors, je vous montre derrière. Quand je vous dis que moi, les estampés, c'est plus tellement ma tasse de thé. Celui-là, je l'ai commencé il y a un petit moment. Hein. Mais. Alors celui-là, je ne sais pas si je le finirai un jour ou pas. Bon, c'est pas une priorité pour celui-là. Voilà, c'est pas du tout une priorité. On verra. Je pense qu'il y en a plus ici. Non, peut-être. Je ne sais pas. Hop. Allez. Ça, non. Ah! Alors ça, c'est de l'année dernière.
Alors, le pire, c'est que toutes les cases sont faites. J'ai plus qu'à les remplir. Je crois que j'avais bien tout enregistré. Ça vient de... ça vient de où, ça? Du groupe sur Facebook, Cliffside Stitch. Donc, c'est un truc comme ça. Voilà. Vous voyez? Donc, ça, c'est normalement... Je crois que c'est celui de l'année dernière. Ouais, 2023. C'est ça. C'est celui de l'année dernière. Alors, oh là là. Et tout chiffonné. Voilà, toutes mes cases étaient faites. Donc, on va dire le plus dur, hein, le plus long. Toutes les cases sont faites. Il me ne reste plus qu'à les remplir. Donc, j'avais commencé avec ce fil. Alors, j'ai plus la référence. Mais c'est un fil variation de DMC. Voilà. Et je sais pas, ou alors je m'y suis mal prise, mais ça m'a pas vraiment plu, vous voyez. Ça m'a pas tellement plu. Donc, si je suis, il faut que je regarde si j'ai bien encore toutes les grilles. Et là, c'est pareil, je sais plus combien il y a de cases. Alors, attendez, comme c'est pareil des deux côtés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ouais, il doit y en avoir 45 ou 48. Je me suis... Voilà, je crois qu'il y a... Mais attendez, là, c'est pas marqué. Non, c'est pas marqué. Ce n'est pas marqué. Bon, c'est pas grave. Ouais, ça doit être ça. 45 ou 48 cases. Et là, je me dis, si je m'en faisais une par semaine, bon, ça, ce serait très long peut-être, mais au moins, il serait fait. Donc, si je pouvais me faire une case par semaine... Alors, je crois qu'il y avait... j'ai là... On pouvait faire, il y avait deux options. En monochrome, oui, monochrome ou... Alors, il y avait monochrome, deux couleurs, trois couleurs, quatre couleurs. Et il y avait deux options, donc voilà, c'était des motifs différents. Je sais plus, il faudrait que je regarde dans le fichier complet que j'ai dans mon ordi, il y a les explications. Voilà. Donc celui-là, c'est à voir, à le reprendre également, mais en faisant une case par semaine. Ça me ferait partir sur il y a 52 semaines. Bon, là, s'il y en a 45, 48, bon, on va dire que je partirai pour une petite année. Mais peut-être moins, parce que c'est quand il y a des toutes petites cases comme là, bon, peut-être que je peux réussir à en faire deux. Voilà. Donc, à voir. À voir, à voir, à voir. Je voudrais bien qu'il soit fait. J'aimerais bien qu'il soit fait. Et c'est pour ça, cette année, j'ai pas pris... je crois que j'ai enregistré des grilles, mais j'ai rien commencé. Voilà. Oups, les aiguilles. J'ai rien commencé et tout. Donc, celui de cette année, il est dans mon ordi. Si un jour, ça me prend, je le ferai. Mais
sinon, voilà. Ben là, on a fait le tour, hein, ça y est. Oui. Ouais, on a fait le tour. Donc ça, avec ça, la Fifi qui revient. Mettez pas sur les aiguilles, on va rigoler. Ah, je te jure. Tu peux bouger tes grosses fesses, Fifi. Allez. Elle vole là. Range tes fesses, Fifi. Oh, hop, merci. Elle doit se sentir quand j'arrive à la fin de la vidéo. Ben on est quand même à une petite heure de vidéo, voilà. Ben j'espère que ce style de vidéo vous aura plu. Bon, c'est pas, c'est vrai que c'est plus genre de vidéo, les week parades, c'est beaucoup les Américaines hein, qui font ça. Et j'adore regarder, même si je comprends rien à ce qu'elles disent. De temps en temps, je mets les sous-titres, mais des fois, on peut pas. Alors, de temps en temps, je mets les sous-titres, mais j'aime bien regarder tous leurs ouvrages. Et puis, elles, oh, je sais pas, elles doivent en commencer un tous les jours, c'est pas possible. Parce que des fois, il y en a qui en ont un nombre incalculable. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ben, j'espère que ce style de vidéo vous aura plu. Bien sûr, ce n'est pas une vidéo que je vais faire tous les mois, tous les deux mois. Ou... je pense que si j'en fais... je pense que j'en ferai deux par an. Comme là, bon, on est en octobre. La deuxième... vers avril-mai, voilà. Vers avril-mai, je peux en faire une autre. Et puis, on refait un point sur tous mes encours, mes mis de côté, mes oubliés. Voilà. Oui, j'avais encore un truc à dire, mais ça ne revient pas. Oui, donc, je vais remettre dans ma malle mon calendrier de l'Avent. Et je vais essayer de me faire une case par semaine à partir de la semaine prochaine. Puis comme ça, bah, il avancera, il se terminera. excusez-moi. Duran Jones, je vais regarder si j'ai encore les grilles. Fifi, s'il te plaît. Fifi. Fifi. Ah, je m'étrangle avec mes bêtises. Ouais, il faut que je regarde si j'ai encore les grilles de Duran Jones. Elles doivent être dans mon ordi, je pense, j'espère. Parce que quand j'ai nettoyé mon ordi, j'ai perdu pas mon ordi, mais ma tablette. J'ai perdu des grilles. Donc, j'espère que je l'ai encore. Si je ne l'ai plus, je vous le dirai. Et comme ça, si l'une d'entre vous... là où ah ben je sais à qui je vais demander. Ouais, je sais à qui je vais demander. Elle me les avait déjà envoyées et je vais lui demander si elle les a encore. Bon, ben j'ai plus qu'à ranger tout ça, moi. Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Dites-moi si ça vous a plu. Si vous avez envie de me dire que je suis folle pour le nombre d'encours que j'ai. Je suis d'accord avec vous, donc il n'y a pas de problème. Mais sachez qu'il y a pire que moi. Hein. Voilà, il y a largement pire que moi. Donc, donc je ne m'inquiète pas encore. Je ne suis pas encore bonne pour l'asile. voilà, donc celui-là par contre, les cases là, je vais encore réfléchir, je vais regarder. Je remettrai peut-être de côté également, et puis voilà, je verrai. Ça c'est quoi? Je ne sais pas. Oui, ah bah j'ai oublié de le remettre. Ah bah non, j'avais dit que je la sortais pour la laver. C'est vrai. Et ça. Ah ben non, ça c'est pas un encours, c'est rien du tout.
C'est une broderie que j'ai l'intention, que j'ai achetée il y a un petit moment. Vous voyez, celle-là. Et que j'ai, que je dois faire. Et, oh, que je dois faire, mais que j'ai pas encore commencé. Elle n'est pas très grande, hein. Elle fait 17 sur 14 cm. Mais je vais attendre de terminer certaines broderies avant, et puis on verra après. Je sais même pas c'est quoi comme marque. C'est écrit en russe, donc je sais pas vous dire la marque. Non, je ne sais pas. Et là, c'est Momentos Magicos, donc moment magique. Mais la marque est là. Donc c'est sur, sur la maison du canevas, hein, que j'avais eu ça. Voilà. Bon, allez, fini, blablaté. Ça y est, on a dépassé les 1 heure. Je vous laisse pour aujourd'hui. J'attends tous vos commentaires. N'oubliez pas vos petits pouces, hein, ça fait connaître la chaîne. Et en attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.